Bonjour. Voilà, c'est ah non. Bonjour les Rangers, comment vous allez? Chargeur de ma trotte pendouillé. Je me dis c'est bizarre, il y a un truc sur la porte. Voilà. Bon, désolé hein, pour les jours précédents, des petits contre-temps. Bon, c'est des choses qui arrivent. Ce soir, on va continuer du coup. Alors, à la base, il devait y avoir une partie d'Among Us hier, mais malheureusement, je peux y aller. Ce soir, on va continuer Tears of the Kingdom. Alors attends, on en est où dans Tears of the Kingdom? Oh mais on en est pas du tout au Temple Goron, c'est quoi là? C'est... On va dire comme les 5 doigts de la main. Voilà, c'est ça, ça me paraît bien. Ça me paraît bien, ça spoil pas trop, mais pour ceux qui sont dans le scénario, ils savent. Regardez la belle moustache. Alors, hop, on va se mettre là-dessus. On allume la console. Hop. J'ai décidé de changer un peu aussi la manière de mettre la musique. Ça va être une sélection de soundtrack que j'ai. De jeux que j'aime bien, que, surtout de jeux que j'ai fait. Attendez, on en est où au niveau son? On est là. Ok. De jeux que j'ai fait. Je suis en train de réécouter un peu les bandes son et puis on va les mettre. Je vais essayer de les afficher. Alors, il faut que j'aille où déjà? Faut que je retourne à la. Je retourne à la tour. Alors attendez, hop, on va se mettre là. Là, on enchaîne beaucoup des niveaux, je trouve. Alors attends. J'ai un truc à aller voir par là. J'aimerais. Je suis à combien au niveau sanctuaire là? Il me. J'ai qu'une perle, pas ouf. J'ai quoi comme. Ah oui, j'ai la tenue de la parure de fou. La tenue de la foudre. Ok, ça m'a permis de passer. Alors, est-ce qu'on voit le dragon blanc? Faudrait peut-être que j'arrive à choper. Le dragon blanc, il a totalement disparu? Ça, c'est pas le dragon blanc, mais ça peut toujours faire plaisir. Il est où exactement? Pas très loin. Et pas tout près non plus. Et quoi au-dessus? On va essayer de voir si on peut le choper. Alors, attendez. On va régler un petit peu la lumière. Voilà. Normalement, je te vois ici.
Et carrément de l'autre côté. Combien de flèches? 65. Le temps. Ah bah la voilà. C'est toi que je cherchais. Ok. Ah, t'es trop... Je suis trop bas. Alors, une écaille du dragon blanc et... Il y a un deuxième dragon plus bas. Donc on se dit 17h35, elle est derrière l'île. Ok, j'ai une écaille. Donc une écaille de Hordrak, une écaille de Nedrak. Une écaille du dragon blanc. Didi. En puissance d'amalgame, pas ouf hein. Le dragon blanc, ça va où? Pip 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 pip. Alors, est-ce que... On est sur quoi? On est sur une... Ok... Viens toi. Viens toi aussi. Viens toi, voilà.
Ok. Je fais exprès. Alors, cristal sono et. Alors attends, c'était par où? On était par. Allez, on coche la schématique. Alors moi c'est 7. Cette voiture là peut-être. C'est pas ouf en termes de... Ouais, c'est pas ouf en termes de commande d'utilisation. La tenue pour s'illuminer. Ok, on en a illuminé pas mal là. Sur un petit lac. Vas-y, on fait le tour de par là. On va regarder ce qu'il y a de l'autre côté. On va essayer de se diriger par là.
Elle est où la bleue? Elle est loin. Ok, je l'ai en visuel. On est juste à côté. Oh, il y a deux... Une à côté de l'autre. On a une mine juste à côté. Je me demande si je l'ai pas déjà visité. Oula. Les os. Sur le nord, c'est pas ouf. Normalement, c'est bon. Usine de golem. Mais je l'ai pas déjà fait celle-là. Ah non, je l'ai peut-être fait sur ma deuxième. La deuxième partie. Oh. Diriger vite fait vers le haut, le rouge. Dans le rouge, je l'ai fait. Pip 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 pip. La verte. La racine. Ah ouais, c'est très vache là, ils ont mis une un esprit vraiment très haut. Oh, oh. Alors la race. Poser ici. Bim, bim, bim.
Donc, au-dessus. Ah, bah, j'ai dit, attends, d'abord, il y avait un truc qui m'intéressait aussi là-bas. Bip 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 bip. J'ai marqué une feuille ici. Et où toi? Comment ça, il me manque une pièce? Ce que je peux faire, c'est ça. Voilà. J'ai l'impression...
Ah, ça marche pas tout à fait. Alors, attends. De là-bas. Je le fais d'ici. Ok, alors, hop. C'est bon, ouais, il est où? C'est toi là-bas. Et voilà. Alors, hop. C'est le tampon. Y'a quoi en haut? Y'a rien du tout. Il pleut! Oh, c'est bien toi, bienvenue dans ma base d'exploration. La nouvelle île volante que tu as trouvée est une découverte incroyable. J'aimerais bien aller l'explorer, mais je n'ai aucun moyen de me rendre dans le ciel. Je suis sûr qu'il y a de nouvelles découvertes à faire si seulement je pouvais voler. Ah, excuse-moi, je suis perdu dans mes réflexions. Depuis ta découverte, nous avons repris l'exploration de ces ruines. J'imagine que tu es curieux d'en connaître le résultat. Mais malheureusement, je ne peux rien te dire. De toute façon, nous n'avons pas terminé. Peut-être l'air de me reposer, mais en fait, je réfléchis à un tas de choses. Et oui, je dois saisir cette occasion pendant que je suis tout seul à faire des fouilles. Je dois découvrir quelque chose et je deviendrai une grande célébrité. Alors, on doit aller là. Et ben, on va essayer de... le faire depuis ici. Thank you.
On peut y aller depuis là-bas. Ta-da-da-da-da. Les îles du tonnerre. Alors, les îles du tonnerre, il faut que... Bois et en épée... En épée, j'ai pas le choix. Est-ce que je me mettrais pas en tenue genre... Attends. Celle-là... J'ai des choses du crépuscule, j'avais pas fait gaffe. Donc, la culotte de la foudre, attaque électrique plus orage. Je vais me mettre... J'avais pas le casque genre de... Voilà, toi. Le home divin de Vanaboris. Ok. Pas le choix. Pa-pa-pa-pam. Trop de maisons, ok, bah on va continuer par là. Ai-je vraiment le choix? Là, on a toujours le choix, mais... Hop, 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 hop. Ça, c'est de là d'où je viens. Qu'est-ce que je peux me débarrasser comme IP? Sortir de la sacoche, on va prendre le bateau plus vite. Oh, enflure.
bras un peu haut, mais il y a l'air d'avoir aussi des trucs en dessous là. C'est ma bonne cam chez moi. Hop, hop, voilà. Ça me donne beaucoup de flèches. Alors, il va falloir le nourrir. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux me faire un petit plat juste histoire de me revigorer? On va faire... Ou les viandes? Buffy, comment ça va? J'ai pas la tenue batracienne là. Ah non, putain, je croyais que je l'avais. Compartiment plein. Voilà. Écoute, ça va.
5. Oh! Fini Octopath Traveler, 105 heures de jeu! Waouh! Alors, je ne pense pas que c'est ça que je cherchais. Beaucoup de fruits de foudre. Bon, du coup, c'est bien, tu l'as aimé ce jeu. Là-bas, il y a un truc. Une vieille carte. Pour enfin pouvoir changer de jeu, ça sera soit Pikmin 4, soit Might and Magic, Clash of Heroes. Remake d'un jeu DS, c'est un de mes jeux de préférés sur la série. Ah ouais? Il est où? Quoi? Ah! Bon, tant pis. On risque. Le sortir sur Switch en juillet est pas cher, 18€. Ah ouais, ça va. Ça va. Ça va niveau prix. Non. Ça m'a libéré un truc. Tombé en dessous ? Très bien. Là, je suis en train de faire le cinquième donjon.
Parce qu'il pense être un cinquième donjon. 18. Forme de golem majeur, 24. Ah, 49, ça va. Il peut pas être là, lui. On souhaite. On retourne par là. Ok, on va éviter les trucs en... On va faire comme dans le temple là, c'était... Alors, ma manette, elles font mal. Et un petit... Ah mais là il y a un petit, attends, c'est plus simple. Simple à transporter. Quoique... Allez. Ah bah oui. Logique. Oh, sanctuaire même. Alors je vais faire quelque chose de très dangereux, mais attends. Est-ce que... Ah, on se coudra.
Ah, je peux rayer avec des pendres. Oh! Ah, j'ai cru que j'étais bloqué. Espace d'un instant. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous ici? Est-ce qu'on a une petite... comment je pourrais y aller? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, très bien. Pas ouf. Pas ouf en vrai. Combien j'ai de sodium sur moi? 15. Je pense que je vais pas tarder à mourir. Un vœu des sages. Ouah, je l'avais pas vu. Très bien. Voilà. Et ici, je peux aller où? En fait, le souci est que... Ça, c'est quoi? Rouillé. Sonium. Alors, donc, il faut que j'aille. Par ici. Le sanctuaire est juste ici. Merde.
Alors que j'y accède par-dessus. On dirait une micro-arène, ça. Fais chier. Toi, tu me donnes quoi? Dans la mine. On est sur de la turbine, lance-food, marmite de voyage. Les batteries de rechange, ok. C'est un coffre. J'ai cru qu'il avait du sonium. Très bien, ça continue. Une bonne lancée là. Alors, je vais le remplacer contre une massue masmiatique là. Bien. Je sais que j'ai pas énormément de vie. Hein. Thank you.
Il apparaît nulle part. Les cartes. Ok. On va aller faire un petit tour en bas. J'avais oublié. Thank you.
Allez, on est bon. J'ai pas... Putain, j'ai pas fait le bon truc. Voilà. Ok. On a masse de choses. Regarde, il y en a une qui est déjà faite. Très bien. Reviens. On a juste besoin d'un, pas de plus. Alors, est-ce que... Oui, ça a l'air d'être le bon nombre. Oh, bah, pile poil devant, tiens. Est-ce qu'on aurait quelque chose ici? Bon, c'est pas une prière, donc un temple. Un sanctuaire. Ah! On part de zéro. Attention. M'a repéré? Ah, il a une sacrée masse, lui. Thank you.
Ok, alors on va amalgamer. Mais un 3 en plus, c'est pas ouf. Attention, il porte bien son nom, hein, ce sanctuaire. C'est la fin, ok. Tu remets d'anti-électro, ça peut pas faire de mal. Enfin, j'ai trop hâte quand même de commencer Pikmin. Bah, c'est pas fini. Pam 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 pam. Tu. Très bien. Il me fallait. J'ai pas tilté, mais ça ressemble à un dragon. Alors, ah, j'ai deux grandes orbes. On va voir ce qu'on peut prendre avec. C'est un peu plus sympa. C'est un peu plus fourni quand même. J'ai vu des batteries. On est d'accord, c'est tout ce qu'on a. Batterie de rechange, marmite, turbine et lance. En parlant de dragon, j'ai vu le remake de Peter Elliot le dragon sur Disney+. C'est pas pareil du tout. On a
même plus de chansons. Ah bah ça, c'est un peu le problème des remakes. Je trouve... Les chansons passent un peu à la trappe. Quelle naze! Le meilleur, les chansons dans ce film. Ah ouais? Alors, je... Ah. Allez, go. On va où? Amène-nous. Sacrément mal là. Oh, 4000 dessus, c'est légitime. Pas grand chose en dessous. Non, mais en fait, il y a plein de... Quand je disais ça, je disais surtout par rapport à plein de remakes où ils suivent complètement les chansons. C'était Mulan, j'avais... Ça m'avait attristé de pas trop avoir de chansons, je crois même qu'il n'y en a pas du tout. On les entend en orchestral, mais c'est tout. Ah
Alors nous, on doit aller de l'autre côté, vers le sud. Vers le sud. Alors, nous, l'idée, c'est d'aller là-bas? Non, pas là-bas. Juste là-bas. Allez! On voit la sauce. Ah! Quoi? Ah, mais le fruit de poudre... la portée du feu de poudre. J'ai là-haut. J'ai là-haut. Ah ouais, ils vont pas de main morte. Il manquait Mushu aussi dans Mulan, c'est pas faux. Alors, il y a un coffre. Non, ça doit être de la merde. Après, un arc de sonium, c'est pas vraiment de la merde non plus. Le film se voulut crédible, Mushu aurait pas sa place. Ils auraient pu, en fait, Mushu en faire pas un comic relief. Comment ça, je peux pas sortir ça ici. Non, vraiment.
Voilà. Ok, il me faut un guidon maintenant. Oh non, il est tombé. Il a fait la guillemette. Je crois que j'ai sacrifié un truc là. Oh, tu veux m'enfiler des boucliers de sonium là? Je regardais la dernière émission de Nintendo Bros, ça parlait de bilan et de leur déception. À un moment, ils parlaient de Tears of the Kingdom, même s'ils ont aimé, il n'y avait plus la découverte. Je suis un peu d'accord en soi, mais pas tout à fait à 100% parce que... Attends. T'as quand même pas mal de choses à voir. Même si Hyrule, c'est sensiblement la même chose. Même si Hyrule, c'est sensiblement la même chose. Non. Retirer. T'as pas mal de trucs à faire. Après, les îles, elles sont vachement... Il y a trop peu d'îles. Il y a vraiment trop peu d'îles. Alors attends, il faut que je le fasse partir comme ça. En l'air. Ça plus le fait que certains n'ont pas du tout aimé les souterrains, c'est vrai. Eh ben dis donc. Il y a eu... En fait c'est vrai que c'est assez vide les souterrains. Alors, on monte, on remonte. Non. Putain.
Dommage. Après, les souterrains, c'est surtout pour avoir... Surtout pour avoir beaucoup de tenues, je trouve. Pim, 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 pim. Bim, 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 bim. On a dit vers le sud, c'est donc ici. Attends. Là. On a deux gouvernails, deux ventilos. Je vais en sortir un. Correctement. Allez. Vers l'île là-bas. Il y a des choses là-dedans. Attends, j'ai vu une entrée là-dedans. Trois lance-foudre, ok. Bon, encore... Encore une étape à passer. Ah non, c'est une... Une bénédiction.
tueur Joku. Ça va. C'est raisonnable. Alors, il va y avoir un boss. Oh, j'ai un vœu des sages à faire. Pouvoir améliorer un stage. Il dit qu'il y a une statue en dessous. À cet endroit-là, mais je la vois pas. Il y a un truc en dessous. En fait, c'était bien là. Ah, la voilà. Faire un vœu des sages. Alors, qu'est-ce qu'on va... Babil, Sidon ou Yunubo. On va améliorer Babil. Parce que le vol, finalement, c'est plutôt cool. Jésus, une porte à pousser. Ça passe.
honte. Link, protecteur de Zelda. Conduis cette relique là où te guide la lumière. Ok. La voix venue du passé. Dans une autre émission, il y avait la doubleuse de Zelda. Ouais, Adeline Chatel. Ouais, c'est la copine de Sora, ouais. Alors, attends. Et un chariot. Il l'a demandé en mariage, je crois. Tant pis. J'ai de l'avoir plus loin. Alors, est-ce que je ferais pas plutôt du coup une bagnole? Hop.
Et le guidon. Il est où le guidon? C'est un peu cool, mais... On va mettre le guide devant. J'avais vraiment pas sorti de guidon. Étonné. En allant par là, je pense qu'on peut aller accéder à quelque chose. Qui veut qu'on aille là?
Est-ce que j'ai des roquettes? J'en ai deux. Pas sûr que ce soit tout à fait ça que je veuille, mais faisons avec. Il y avait de l'idée. C'est là que j'ai découvert que c'est elle qui doublait Jenny petite dans Forrest Gump qui dit court Forrest. Ah ouais? J'avais de l'idée. Mais c'était pas ça. Ouais, par contre, il est où le masque? J'ai plus le masque. Bip 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 bip. OK. Là, il y a une rampe de lancement, hein, quand même. Mon chat, il a pété. Il s'est réveillé. Lui-même. Ah, qu'on a là-dedans. Turbine, convoyeur, gouvernail. Ok, nickel. Ce sera assez.
Ok. Et deux turbines. Histoire d'aller le plus vite possible. Faire juste que... Allez. C'est quoi en dessous? Je me rappelle pas du tout de cet endroit-là. La vie. C'était compliqué la vie. Encore. Bip 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 bip. Je sens gros comme une maison le truc. L'abîme du Val du Pli. Voilà, c'est un abîme. On va plonger. Protecteur de Zelda. Hâte-toi. Il n'y a pas un instant à perdre. Nous t'es planté dans les profondeurs? Mais c'est là. Ok. J'y étais tout à l'heure. Ah, donc en fait, c'est un temple.
Link, protecteur de Zelda. Je m'appelle Mineru. Je suis le sage de l'esprit. Tu es venu jusqu'à moi. Et je peux enfin te parler. Mais je ne suis plus qu'un esprit aujourd'hui. Tant que je n'aurai pas d'enveloppe corporelle, je ne pourrai pas vraiment me présenter à toi. 4 ateliers de fabrication nous entourent. J'aimerais que tu les explores, afin de me constituer un corps qui abritera mon esprit. D'accord, en fait, j'avais été déjà visité, mais je comprenais pas ce qu'il fallait faire. C'est que j'avais pas activé le truc. Me feras-tu cette faveur, Link, protecteur de Zelda? Bon bah, c'est tout. Une fois, ça s'active toujours à la dernière minute, elle. Hein. Alors,
Alors, faut l'amener de l'autre côté. Ils sont tous bien dans le bon sens. Peut-être pas le problème dans le bon sens. Thank you.
J'ai pas un truc genre un stabilisateur. Ah non, c'était sur l'autre partie que je l'avais fait. Je l'avais exploré. Un guidon quelque part. Patinoire. Allez. Que trois. La première pièce est en place. Apporte encore les trois autres, je te prie. Ouais, j'ai carrément. Oh.
On est sur la jambe gauche. Un gouvernail. Ça ressemble un peu à une rampe de lancement. Qu'est-ce qu'il nous donne lui ? Je sais pas encore. Gouvernail roquette. Le golem. Là, ça devrait suffire. You? Oh non. J'arrive à l'avoir comme ça.
On a quoi? On a deux roquettes. Hop. On a la jambe gauche. Non, c'est pas cuit, je viens de tilter. C'est pas cuit, là. Tu as apporté une autre pièce. Il en reste encore deux. Il est minuit. Elle est un peu loin là. Le bras gauche. Ils s'en occupaient.
Oh, je vais sortir. Alors, l'atelier de la jambe droite. Comme je sais pas encore, je le garde. Qui tourne encore. Vous les gars qui tournez? Arrêtez-vous. Allez, DHL, DH Link.
Ça fait exprès, mais let's go quand même. Ok, il manque plus qu'un bras. Il n'en reste plus qu'une, Link. Le corps qui accueillera mon esprit est presque prêt. Là-bas. Moi j'aurais pas le temps trop ce soir de faire de la chasse au coffre. Il va falloir remonter tout ça. Thank you.
Ok, une roue. Pire, j'en sors une, mais... Et là... J'ai loupé un coffre, alors. Thank you.
Lui, il veut forcément être au milieu. Ça rend vraiment au poil de cul, quoi. Comment il a fait déjà ? Là, on est sur une sortie. Devrait suivre. Y'a pas de fond.
Youpi! Il y a des énigmes qui sont vraiment lentes. C'est là. Et voilà. Merci Buffy. Mais si t'es le sage, elle est où ta larme? Je te remercie, Link. Il me reste une dernière faveur à te demander. Il s'agit de ma pierre occulte de l'esprit. Oh, elle est loin! Elle se trouve à cet endroit. Conduis-moi là-bas, je te prie. Le trajet sera très périlleux. Heureusement, le golem que tu m'as constitué renferme une puissance cachée. Tu le découvriras de toi-même en chemin. Je t'en prie, conduis-moi jusqu'à ma pierre occulte. Allez. Alors, t'as vu. Bon, et bah, let's go. Thank you.
Ouf, cette arme. Plutôt lance-flamme. Est-ce que je peux utiliser ça peut-être? Pas le choix. Ouch. Ouais, le chemin va être long et périlleux. Est-ce que je suis obligé? Thank you.
Oui. Oh l'enflure. Comme Naruto, quoi. Ok, il va falloir que je cuisine. Une brochette de poisson. Ok, encore une autre. Euh...
C'est la fleur céleste. Non. Herbe d'Hyrule, tasse de sérénité. Glagla, plus du tout, fait chier. Sur les champignons silencieux aux lames célestes. Oh, Yerikuchi. Bon. Canon lance-laser. Le golem, on va aller jusque là-bas. On va se guérir. Je veux le faire ce soir, j'avais pas vu. Voilà. C'est le truc devant. On est en mode l'attaque. Nous approchons de la pierre occulte. Continue à avancer en déployant la puissance du golem. Turbine! Lui, il est retourné là-bas. Ça tombe bien.
Tac, tac, tac. Non, j'ai déjà l'impression d'être passé par là. Il y a du blanc, il y a du argenté. Temple de l'esprit. Tombeau du réceptacle de l'esprit. En évitant un maximum de bastons. Minute 45, ouais, bah je pense qu'on est sur la fin là. Heures et demie de live, ça fait longtemps ça qu'on n'a pas fait autant. Ouais, c'est l'histoire principale. Oh non, ça sent un temple. Ça sent un boss, ça sent un temple. Ouais. Sans le temps, le boss. C'est un golem que j'avais construit autrefois.
des miasmes. Il est probablement possédé par un monstre. Le golem corrompu. On ne peut pas laisser sévir un golem au service du roi démon. Lynn, combat avec moi, je te prie. Allons-y. Nous devons absolument arrêter ce golem. On dirait que ça a fonctionné. Il est dangereux de toucher la barrière qui nous entoure. Fais attention. Ne pourrait-on pas mettre à profit la barrière qui nous entoure ? Merde, j'ai plus rien. Aïe, aïe, aïe. Tant pis, je mange tout ce que je peux. Il va utiliser d'autres... Ouais, je suis sûr. D'autres bras. Il a activé ses bras de secours. Sois prudent. Aïe aïe aïe. N'équipez pas de canon ou d'artefact à projectile, plutôt privilégiez le corps à corps et les objets qui repoussent. Ok. Bon à savoir. De toucher la barrière qui nous entoure. Fais attention. Aïe,
Merde. Il est dangereux de toucher la barrière qui nous entoure. Fais attention. Dépêche-toi. Mettre à profit la barrière qui nous entoure. Ça, c'est la deuxième phase. Il y en a trois. Il a activé ses bras de secours. Sois prudent. Nous ne tiendrons pas à ce rythme-là. Ne peut-on pas aussi attaquer de loin? Briser sa défense. Il faut trouver un autre moyen. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va être de la pause. On verra plus tard. Sur le prochain live. Je vais pas y arriver sinon. Sur ce, les Rangers, je vais vous faire des bisous. On va se donner rendez-vous. Oups, ah, je crois que j'ai lancé l'écran de fin. Non, je l'ai pas lancé, c'est bon.
vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous dans le cours de la semaine. Je sais pas si j'annoncerai si je stream le soir ou pas, ça sera très certainement la dernière minute. Des bisous. Bye bye. Bonne nuit Buffy. Bye bye.